Bonjour tout le monde, on va laisser un petit peu de temps à ceux qui sont en retard de se connecter. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, ça va être une introduction à la modélisation des dynamiques épidémiques. Et on va travailler principalement sur un concept qui s'appelle le concept de R0. Et c'est un nombre dont on a entendu parler énormément pendant la pandémie de Covid-19. On va essayer de comprendre un petit peu ce que ça représente. Voir trois façons de le calculer qui sont inspirées par des choses qu'on a fait dans les séances précédentes. Et puis, on va se quitter sur une discussion de quelle proportion de la population doit être vaccinée pour tenter d'empêcher une épidémie. Je vais juste régler mon micro qui a l'air un petit peu excité. Ouais, c'est bon, parfait. Ok. Donc, si vous avez commencé à faire des lectures, vous voyez que vous vous souvenez que les modèles de dynamique de maladies infectieuses, on peut les représenter par des compartiments. Et puis dans notre cas, on va commencer par un modèle qui est très simple, c'est le modèle SIR. Puis le modèle SIR, une de ses particularités, c'est qu'il représente un type d'infection, type de maladie assez spécifique selon les flèches qu'on ajoute ou qu'on fait sortir de chacune des boîtes. Donc la première population, chacune de ces boîtes ici correspond à une population différente. La première population, S, c'est la population des individus qui sont susceptibles. Un individu susceptible dans ce contexte-là, ça veut dire qu'il n'a jamais été exposé à la maladie ou que s'il a été exposé, il a perdu son immunité. Donc il est susceptible de se retrouver à nouveau infecté. Le deuxième type d'individu qu'on a, c'est le compartiment des I, et le compartiment des I sont les individus qui sont infectieux. Pas infectés, infectieux. La différence, c'est pas juste une différence de sémantique. Un individu qui est infecté n'est pas nécessairement en mesure de produire de nouvelles infections. Il y a des modèles plus complexes, on verra un la semaine prochaine, qui permettent de traduire ça. Un individu qui est infectieux, en revanche, il est capable de créer de nouvelles populations. C'est juste si ma webcam pouvait garder la mise au point, ce serait super. On a vraiment des bonnes conditions d'enseignement maintenant qu'on est revenu en présentiel. C'est cool. Donc, le premier mécanisme, c'est de comprendre comment est-ce qu'un individu qui est susceptible va devenir infectieux. Ben, ça, c'est assez simple à conceptualiser. On a un individu. Wow, ok. Un individu S qui, au cours de ses pérégrinations journalières, va rencontrer un individu qui est infectieux. Comment est-ce que l'individu qui est infectieux s'est rendu là? Pour l'instant, ce n'est pas tellement notre problème. On va dire qu'il y a un individu qui est infectieux qui s'est rendu dans cette population. Cet événement-là, ça représente un événement de contact. Et puis chaque contact va avoir avec un taux, on va réfléchir après à ce que ça veut dire, la possibilité de créer une nouvelle infection. Donc ça c'est notre mécanisme numéro 1, on a des individus S et des individus I, et j'ai oublié de prendre les traits de couleur, ça va me perturber mais c'est pas grave, on va survivre, ça va créer des nouvelles infections. Donc ce mécanisme-là, c'est une transition de S vers I. Pour définir une transition d'un compartiment vers un autre compartiment, on a besoin de prendre une série de décisions. La première série de décisions qu'on va dire, c'est qu'on va donner un taux à cette transition qui va être bêta ici. Puis ce taux, il va dépendre de quoi? Il va dépendre évidemment du nombre d'individus qui sont infectés. Okay. Plus on a d'individus qui sont infectés, plus on a de chances d'avoir des contacts. Le nombre de contacts restant le même, on a la même probabilité, la même chance d'avoir un événement d'infection, mais plus on a de contacts, plus au final on a une force d'infection qui est élevée. Comment est-ce que ça se représente ça d'un point de vue mathématique? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a d sur dt de s, donc le changement de la taille de population, de la taille de population de s au cours du temps,
c'est moins, parce qu'on est en train de perdre des individus. On les perd avec un taux qui est bêta i, la probabilité par contact, fois... ça, c'est pas tout à fait le nombre de contacts, c'est le nombre d'individus. On va multiplier par s, pour dire à chaque fois qu'on a un contact entre s et i, donc là, on fait l'hypothèse qu'il y a ce qu'on appelle un effet de masse qui est en train de se produire, on va avoir une certaine proportion de ces contacts qui vont donner lieu à des nouvelles infections. Même chose ici, d sur dt de i, c'est égal à exactement la même chose. Nos individus susceptibles qui sont devenus infectieux, ils ne disparaissent pas de la population. Ils se retrouvent dans une nouvelle boîte. Donc notre individu qui était s, il a migré ici le long de cette boîte et il se retrouve dans la boîte des i. Il n'est pas sorti de la population. Ce n'est pas un nouvel individu qui est rentré non plus. Et donc on veut que la somme de ces équations, ces deux équations, elles soient égales à 0. Vous allez garder ça en tête, ça va nous servir par la suite. Donc ds sur dt c'est moins bêta fois i fois s, et i sur dt c'est bêta fois i fois s. Là on a déterminé une partie du modèle qui est la partie du modèle qui correspond à notre processus d'infection. Dans le modèle SIR, on a une troisième population. Cette troisième population, c'est la partie de la population qui a récupéré. Ce qu'on appelle les removed ou recovered, ça dépend. C'est ceux qui, en tout cas, sont enlevés du processus de transmission. Pourquoi ils sont enlevés? En général, parce que ils ne sont plus infectieux. Ils ont perdu leur statut infectieux, mais ayant été exposés à l'infection, ils ont une protection grâce à leur système immunitaire, qui fait qu'ils se retrouvent dans une troisième catégorie, qui est les individus qui sont protégés. Ça, on va encore lui donner un taux, on va appeler ça gamma. La différence entre le processus d'infection et le processus de rémission, on va dire, c'est que le processus d'infection, il a besoin qu'il y ait un contact entre les individus susceptibles et les individus infectieux. Le processus de rémission, il n'a pas besoin qu'on ait un contact de cette nature puisqu'il va se faire de manière naturelle. Si on a un individu qui est infectieux et qu'on sait qu'il va être infectieux pendant en moyenne 3 jours, on fait l'hypothèse que peu importe les autres individus qu'il rencontre, au bout de 3 jours, il va être remis. Donc ça, ça nous donne l'information pour écrire d sur dt de r. Et qu'est-ce qui rentre dans R? Ben, c'est les individus qui sont actuellement infectieux avec un taux qui est gamma. Puisque ces individus ils étaient infectieux et qui viennent dans R, il faut qu'on les enlève de I. Ce n'est pas des nouveaux individus qui rentrent dans la population, les individus ne disparaissent pas, ils sont simplement en train de se promener d'un compartiment à l'autre. Donc regardons un petit peu la structure de notre modèle. Est-ce qu'on a tout fait? Il y a deux réponses qu'on peut donner à ça. Non, on n'a pas tout fait, parce qu'il y a plein de mécanismes biologiques extrêmement pertinents qu'on n'a pas mis à l'intérieur de notre modèle. On va y revenir. Mais est-ce qu'on a décrit ce processus d'infection, où on est infecté, plus on rencontre de personnes qui sont infectieuses, plus on a des chances d'être infecté. Et puis, quand on est... infectieux, on a une probabilité de perdre notre statut infectieux. Oui, ça c'est reproduit dans le modèle. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis dans le modèle? Puis là, c'est important de commencer à faire une liste des choses qu'on n'a pas mis. On n'a pas mis du tout de processus démographique. Il n'y a pas de natalité, il n'y a pas de mortalité. Il n'y a pas de renouvellement de la population au cours du temps. Ça, c'est une première hypothèse qui est extrêmement forte. Et en fait, ce que ça nous dit, sur ce qu'on suppose dans notre modèle, c'est que la vitesse de l'infection est très supérieure à la vitesse de la démographie. Pour faire simple, ça marche pour le rhume.
que vous avez un individu médian dans la population va avoir un rhume entre 6 et 12 fois par année. Si vous avez des enfants, c'est de l'ordre d'à peu près 360 fois par année. Mais en tout cas, le temps que vous allez passer dans le statut infectieux est beaucoup plus court, de l'ordre de par exemple quelques jours, comparé à votre espérance de vie qui est de l'ordre de... si on parle sur une échelle log, le temps que vous allez passer là, c'est de l'ordre de 10 puissance 0. L'espérance de vie, c'est de l'ordre de 10 puissance 2, si on fait une approximation. Donc, ça c'est un premier point qui est extrêmement important. On considère que l'épidémie, de son déclenchement jusqu'à sa résolution, qui est soit elle disparaît, soit elle atteint son état endémique, ça va se produire dans un intervalle de temps qui est très court par rapport à la durée de vie des individus. Première chose qu'on n'a pas mis dans notre modèle. Deuxième chose qu'on n'a pas mis dans notre modèle, c'est une notion de virulence. La virulence, ce que ça veut dire, c'est que votre espérance de vie n'est pas modifiée par le fait que vous soyez infectieux ou non. Votre statut épidémique dans ce modèle-là, il n'a pas d'impact sur votre mortalité. C'est un modèle où on considère que tout se passe trop vite pour que la natalité et la mortalité naturelle aient un impact, mais aussi que le virus est entièrement bénin. Bien le pathogène, mais c'est un modèle qui marche bien pour les virus. On va bientôt prendre ce modèle-là et puis l'appliquer sur des séries temporelles et vous allez voir que pour certaines maladies comme la grippe saisonnière, dans des situations bien précises et dans des populations bien précises et des contextes de mesure bien précis, c'est un modèle qui correspond assez bien. Donc on a créé notre modèle et avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer quelque chose avec ce modèle-là qui est assez important. C'est sur la démographie. Virulence, tout ça, on va les réintroduire un peu plus tard. Pas forcément cette semaine parce qu'on a déjà commencé en retard, mais on va les réintroduire. Donc, une des caractéristiques de notre modèle ici, c'est qu'il a une propriété mathématique qui est assez jolie, qui est que si on fait S point plus I point plus n, pardon, plus r point. Donc si on fait la somme des dérivées, ça va être égal à 0. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que quelle que soit la population qu'on a au début, la somme de s plus i plus r, on va appeler ça n. La variation de cette quantité-là d de n sur dt c'est égal à la variation dans s plus la variation dans i plus la variation dans r. Et ce qu'on a vu ici, c'est que la variation dans ces trois la somme de ces trois variations c'est égal à 0. Ça ne veut pas dire que les populations en elles-mêmes, elles ne changent pas. Ça veut dire que le changement qu'il y a dans une population va toujours balancer de manière égale le changement qu'il y a dans une autre population. Par exemple, ici on a un moins bêta IS qui est exactement égal à un plus bêta IS ici. Donc le changement net de taille de population lié au processus d'infection, c'est 0. La conséquence extrêmement importante de ça, c'est que puisqu'il n'y a jamais de changement, on sait qu'à tout temps dans notre dynamique du système, n au temps t, c'est égal à s au temps t plus i au temps t plus r au temps t. Rappelez-vous que dans tous nos problèmes d'équations différentielles, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on déterminait les conditions initiales. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que n autant t, c'est égal à s0 plus i0 plus r0. La valeur de la taille de population ne va jamais changer pour ce modèle-là. Cette caractéristique-là, c'est ce qu'on appelle une constante de mouvement.
Il y a toute une section dans le livre de Otto Hende sur les constants of motion, comme on dit en anglais, qui, comment on les identifie, qu'est-ce que ça apporte dans l'analyse des modèles. Mais c'est là que vous allez voir qu'on va s'en servir de manière assez immédiate, parce qu'on vient d'établir quelque chose d'important, quels que soient les paramètres du modèle, quoi qu'il se passe dans notre modèle, on sait que S plus I plus R, c'est toujours égal à une constante N, qui est la somme des conditions à l'équilibre. Ça, c'est une conséquence directe, évidemment, du fait qu'on n'ait pas de démographie et qu'on n'ait pas de virulence. Okay. On peut voir que selon comment on paramétrise la démographie et la virulence notamment, on peut perdre le fait que N, ce soit une constante de mouvement dans ce modèle-là. Mais là, ça va nous permettre de faire des simplifications assez utiles. Bon, répondons à la question du jour. La question importante pour nous aujourd'hui, c'est... le R0. Le R0, vous avez entendu nécessairement parler de ça dans la presse pendant les 3 dernières années. Ce que ça décrit, c'est le nombre de nouvelles infections qu'une personne, un individu, pardon, qui est infecté va déclencher dans une population qui est entièrement susceptible. Allons voir ça. Un peu plus en détail. Super. Donc, on va réécrire les équations pour ne pas les oublier. La dérivée de S, c'est moins bêta SI. La dérivée de I, c'est bêta SI moins gamma I. Et puis, la dérivée de R, c'est gamma I. Du coup. Ok. Puis là, la question qu'on se pose, c'est d'abord, S égale une constante, I égale 0, R égale 0. Donc tous nos individus sont susceptibles, personne n'est infectieux, personne n'a développé d'immunité. Là, on a regardé les équations de notre modèle, on sait que ça fait... on sait que la taille de la population, ça reste la même, et que du coup, s'il n'y a pas d'individu infectieux et pas d'individu immunisé, le nombre d'individus qui sont susceptibles, c'est N. Le deuxième point, ça va être, la vraie question qu'on se pose, en fait, c'est le nombre de nouveaux cas. Si I est égal à 1. Donc on introduit dans notre population de N individus susceptibles, on introduit un individu qui est infectieux. Pourquoi on se pose cette question ? Imaginez qu'on a un autre individu infectieux qui arrive ici et il rentre dans une population qui est avec 4 individus qui sont susceptibles. Quelles sont les différentes situations là ? La première, s'il crée un nouveau cas pendant sa période infectieuse, c'est une précision que j'aurais dû apporter d'avant. Pendant la période où il est infectieux, cet individu, s'il crée un nouveau cas, qu'est-ce qui va se passer? Lui, à la fin de sa période infectieuse, il aura récupéré, et puis il aura créé un nouveau cas. Là, on est dans une situation qu'on n'aime pas trop. On n'est pas capable de décrire est-ce que ça va s'arrêter ou est-ce que ça va augmenter. Et ce qu'on sait, c'est que ça devrait rester, ça devrait se comporter de manière neutre. Si, par contre, il va créer n supérieur à 0, nouveau cas. Donc notre individu qui était initialement infectieux, lui, sa période infectieuse, elle est finie. Par contre, il a créé 2 nouveaux cas. On va dire que n égale 2. Qu'est-ce qui s'est passé?
Dans ce sens-là, on n'a pas eu l'augmentation du nombre de personnes, on n'a pas eu l'augmentation de la prévalence dans la population. De là, on est passé à i autant 1 égale 1, à i autant 2 égale 2. Et puis évidemment, ce nombre-là de nouveaux cas infectieux vont eux-mêmes continuer à créer des cas qui sont infectieux. Là, c'est un exemple un peu extrême parce que notre S égale 4, I égale 1, notre population elle est très petite. Okay. Donc ce qu'on voudrait, c'est comprendre ce qui va se passer dans des populations un petit peu plus grandes. Mais le principe qu'on vient d'établir ici, c'est que pour que l'épidémie commence, on a besoin que le nombre de nouveaux cas qu'on peut créer à partir de I0 soit supérieur à 1. Et là, ce qui est assez joli, bon, ce nombre de nouveaux cas ici, c'est ce qu'on appelle le R0, ou le basic reproduction number, en tout cas. Le R0, et pour qu'une épidémie se déclenche, il faut que R0 soit inférieur à 1. Ok. Tout ça, c'est bien beau. On a une définition, enfin, on a une intuition conceptuelle de comment ça marche, qu'est-ce que ça veut dire le N0. La question qu'on devrait vraiment se poser, c'est comment est-ce qu'on le calcule? La réponse est c'est compliqué. C'est vraiment compliqué dans le sens où, si on veut faire une estimation du R0 à partir des données empiriques, il y a plein de choses à prendre en compte. Si on veut faire une estimation à partir du R0 à partir de modèles, on peut, mais vous allez voir que c'est des seuils qui ne sont pas nécessairement garants que ça va se produire dans la façon dont le modèle le dit. Pourquoi ? Parce que... je ne vous dis pas pourquoi, on va en reparler quand on va passer à la programmation et qu'on va devoir programmer ce modèle-là de manière un petit peu différente de ce qu'on a fait dans les fois précédentes. Ceci dit, on a vu tous les outils mathématiques pour établir le R0 et on va le faire de trois façons différentes. On va le faire de la façon créative, feignante, c'est la même chose, qu'est-ce que c'est conceptuellement le R0? C'est le nombre de nouveaux cas qu'on crée pendant notre période infectieuse. Donc le nombre de nouveaux cas qu'on crée pendant notre période infectieuse, c'est quoi? Ben, ça va être un paramètre qui est la transmissibilité. Puis la transmissibilité, on l'a dit, c'est un taux. C'est bêta. La transmissibilité, elle a du sens uniquement si on l'exprime dans le contexte qui est le nombre de contacts. Le nombre de contacts, c'est S fois I. Mais rappelez-vous qu'on s'est placé dans une situation très spécifique, qui est que S est égal à N. Et i est égal à 1. Et là, vous devriez être en train de vous dire stop, ça va pas. On a établi une propriété de notre système qui était que n, c'est une constante de mouvement. N, ça reste la même chose. Et là, dans le calcul qu'on est en train de faire, on se retrouve avec n plus 1. Et ça marche pas, parce que les équations différentielles qu'on a écrites ici nous disent que ça ne peut pas marcher, on ne peut pas avoir un changement dans n. La réponse à ça, c'est oui, mais peu importe. Regardez pourquoi. Déjà, ici, on va multiplier S fois I, donc on va multiplier S fois 1, donc ça, c'est égal à N. Et là, vous devriez être content, parce qu'il n'y a pas de N plus 1, donc 1, il a disparu, on l'utilisait juste pour multiplier. Vous avez le droit de ne pas être content et de dire non, on a multiplié par quelque chose qui fait que si on fait la somme ici, on a n plus 1 individu, ça ne va pas. Vous avez raison.
Mais de manière beaucoup plus fondamentale, vous avez tort, parce qu'on fait une hypothèse ici qui est en fait que le 1, il n'est pas vraiment important. Puis quelle est la condition pour que le 1 ne soit pas vraiment important? Ben, c'est que n plus 1 soit à peu près égal à n. Autrement dit, n on ne sait pas ce que c'est, mais c'est un truc qui est relativement grand. On ne sait pas combien d'individus encore on a mis dans notre population, c'est pas grave. On n'a pas besoin de le savoir, le résultat serait le même de toute façon. Mais on sait que c'est quelque chose qui va être relativement grand. C'est une valeur qui est en tout cas beaucoup plus grande que 1. Donc notre exemple de tout à l'heure avec un individu infectieux à 4 individus susceptibles, le fait d'avoir n plus 1, ça représentait une variation de 20%. Si on a un individu infectieux dans 100 individus susceptibles, voilà seulement une variation de 1%. De toute façon, rappelez-vous, le i il disparaît, on a juste un n. Tout va bien. Le troisième composant de ça, donc la transmissibilité, fois le nombre de contacts. Ça nous donne le nombre de contacts qu'on fait par unité de temps. Autrement dit, il va falloir prendre en compte le fait que la période infectieuse, elle n'est pas infinie. On finit éventuellement par développer une immunité et on passe de la case I à la case R des individus qui sont recovered. Et ça, comment on sait? On sait qu'on a un taux de passage de I vers R. Et puis pour avoir une durée, donc on va multiplier par la durée de la phase infectieuse. Et quand on a un taux, durée d'infection, si on prend l'inverse de ce taux, ça nous donne la durée. Ok, ouais, je vais quand même essayer de faire un effort. Ce taux, c'est 1 sur gamma. Donc voilà les paramètres de notre modèle. Okay, on va multiplier la transmission, donc le taux de création d'un nouvel individu infectieux par contact, fois le nombre de contacts, fois la durée de l'infection. Je vous laisse refaire le travail de calculer les unités de tout ça. Vous allez voir que ça tombe sur l'unité de ça, ça va être des individus. Donc quelle est notre formule avec cette première approche? Notre première formule du R0, c'est égal à bêta fois n sur gamma. Ça nous apprend, différentes choses, mais ce que ça nous apprend, c'est que pour savoir si notre épidémie elle va se déclencher ou non dans une population, avec la structure du modèle qu'on a choisi, si on avait choisi un autre modèle, on aurait une autre expression du R0. Ça va varier positivement avec la transmissibilité, et varier positivement avec la taille de population. Autrement dit, un pathogène plus transmissible dans une population plus grande, plus de chances d'avoir une épidémie, jusque-là ça a du sens. Et ça va varier avec l'inverse du taux de rémission, autrement dit, un pathogène qui a une phase infectieuse extrêmement courte va être beaucoup moins à risque de déclencher une vague épidémique qu'un pathogène qui a une période où on est infectieux pendant beaucoup plus longtemps, jusque-là ça a encore du sens. Et rappelez-vous que le critère qu'on veut, c'est que R0 soit supérieur à 1. Si R0 est supérieur à 1, on peut avoir, c'est un seuil, c'est pas une certitude, le déclenchement d'une épidémie. Ok, ça c'est la réponse intuitive. Okay, on n'a pas fait beaucoup de calculs, on s'est juste demandé qu'est-ce que ça représente conceptuellement le R0. Là, on a vu des outils de modélisation en écologie qui sont bien utiles, où on peut reformuler la question du R0 comme étant un problème d'invasibilité. Puis spécifiquement, la question c'est est-ce que I, presque égal à 0, peut aller envahir S à son équilibre démographique. S à son équilibre démographique,
Même pas besoin de réfléchir, personne n'est infectieux, personne n'a jamais été infecté, donc personne n'a développé d'immunité. Donc S, c'est l'ensemble de la population, c'est égal à N. Parfait. Comment est-ce qu'on détermine l'invasibilité? On va prendre la fitness d'invasion de I. Et donc c'est égal à 1 sur I D sur DT de I. Et donc c'est égal à bêta S moins gamma. Ça, c'est la fitness d'invasion d'un individu infectieux dans une population susceptible. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce soit. On veut que la taille de la population ici, elle augmente. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va substituer à bêta S, enfin bêta S étoile, donc c'est bêta N moins gamma. Et on veut que cette fitness, elle soit positive. On réorganise nos termes. Ça veut dire que bêta n doit être supérieur à gamma. On réorganise encore une fois nos termes. Bêta n divisé par gamma doit être supérieur à 1. Deuxième approche qu'on a prise, ça n'a rien à voir avec la précédente. On ne s'est pas posé les questions en termes de mécanisme, on s'est posé les questions en termes de dynamique des populations et de conditions d'invasibilité. Et puis ce qu'on obtient, c'est que en calculant la fitness d'invasion ici, ce qu'on obtient là, c'est l'expression du R0. Donc c'est assez joli. En fait, on est en train d'utiliser une autre méthode pour aller voir que le modèle, il nous donne le même résultat. Donc dans le contexte de la petite réalité qu'on s'est inventée quand on a écrit notre modèle SIR ici, ben là on a trouvé deux façons d'identifier R0 qui sont bêta fois n divisé par gamma qui va être supérieur à 1. Et ces deux façons, elles concordent. Troisième façon de le faire. La troisième façon de le faire, j'aime bien parce que c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et que du coup, on s'était facilité la vie en disant, ah, l'analyse de stabilité, c'est vachement bien quand il y a deux équations. Cette fois-ci, c'est fini, il y en a trois, il va falloir faire ça de manière un petit peu plus créative. Ouais. Donc, l'autre façon de réfléchir à quand est-ce qu'il y a une épidémie qui se produit. Ben. C'est une analyse de stabilité qu'on veut faire. Puis l'analyse de stabilité qu'on veut faire, spécifiquement, c'est celle de l'équilibre N 0, 0. Toute la population est susceptible. Personne dans la population est infectieux. Et puis cet équilibre-là, la caractéristique qu'il doit avoir, c'est qu'il doit être instable. Pourquoi? S'il est instable, ça veut dire qu'une toute petite perturbation, par exemple de l'ordre de n epsilon 0, ça va s'écarter du mode, ça va s'écarter de cet équilibre. Donc ce que ça nous donne, encore une fois, c'est quelles sont les conditions pour que dans notre population, il y ait un individu infectieux qui arrive et que ça fasse partir de cette situation-là. Cette situation-là, on va lui donner un nom qui est le DFE. Et DFE, c'est l'abréviation pour Disease Free. Equilibrium. Et donc c'est l'équilibre pour lequel il n'y a pas de maladie dans la population. Bon, qu'est-ce qu'on veut faire pour faire notre analyse de stabilité? Maintenant, il y a trois équations. Donc, nos histoires, on va regarder sur notre diagramme de Poincaré, la trace, le déterminant, tout ça, ça ne marche pas parce qu'on va avoir une matrice jacobienne qui a trois entrées, une matrice qui fait 3 par 3. Maintenant, on dirait que ça, on va calculer la matrice jacobienne qui correspond à notre système d'équations différentielles ici. Rappelez-vous, dans la matrice jacobienne, l'ordre des opérations, puis l'ordre des variables est extrêmement important. Donc on va commencer par mettre la dérivée partielle de S sur DS. C'est moins bêta
fois i. La dérivée partielle de d sur dt de s sur di, c'est moins bêta s. Là, il n'y a pas de terme en r, donc c'est 0. Deuxième ligne, deuxième opération, si on fait la dérivée sur s de ça, ça fait bêta i, à peu près. Si on fait la dérivée sur i de ça, ça fait bêta s moins gamma. Il n'y a pas de r là-dedans, c'est 0. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a dérivée sur s, c'est 0. Dérivée sur i, c'est gamma. Et puis dérivée sur s. J'avais mal fait mon calcul, c'est bien possible. Oui, c'est gamma. C'est 0, ici. Ok. Allons-y avec ça. Donc, on va vérifier qu'on ait tous nos termes qui soient arrivés là-dedans. On a moins bêta s ici, bêta i, bêta s, moins gamma. Gamma, donc ça, c'est la matrice jacobienne de notre système. Okay. On ne l'a pas évalué à un équilibre, encore. On a juste écrit la matrice jacobienne. Celle qui nous intéresse, en vrai, c'est la matrice jacobienne évaluée à l'équilibre pour lequel il n'y a pas de maladie. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est dès qu'on voit un i, on va multiplier par 0. Dès qu'on voit un s, on va remplacer par n. Moins bêta i, ça fait 0. Moins bêta s, ça fait moins bêta n. Ça, c'est toujours 0. Ça, c'est 0. Ça, c'est bêta n moins gamma. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Ça, c'est gamma. Et ça, c'est 0. Ok. Ah ouais, j'avais vraiment fait une erreur quand je l'avais calculé. Bon, c'est pas très grave. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour faire notre analyse de stabilité? On a besoin d'aller calculer le déterminant de... pas de ça. On a besoin d'aller calculer le déterminant de cette matrice-là moins lambda i. Pas le i des infectieux, le gros i qui est la matrice identité. Donc pour aller calculer ça, on a besoin de se refaire un petit peu de place. Ça on va l'appeler M parce que sinon ça va être long à écrire. Donc la matrice M dont on veut le déterminant, c'est cette matrice là, sauf que sur la diagonale on enlève moins lambda. Donc c'est moins lambda ici, moins bêta N, ça change pas. Ici c'est toujours 0, ici c'est 0, ici c'est bêta N moins gamma moins lambda, 0, gamma, moins lambda. Ce truc-là, a priori, ça devrait pas trop nous plaire parce qu'on a 3 lambda. On sait que ce qu'on veut, c'est résoudre le polynôme caractéristique de cette matrice. On va chercher des racines de lambda. Si on en a 3, on va avoir un truc en cube. On va avoir lambda puissance 3. Il y a des formules pour les racines cubiques, mais là on va juste réfléchir un petit peu, puis vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'aller les chercher. Bon, le déterminant d'une matrice avec 3 entrées, c'est quoi? C'est moins lambda fois le déterminant de la matrice qui est ici. Donc c'est bêta n moins gamma moins lambda. Moins lambda, moins 0 fois gamma, première partie, ensuite c'est moins bêta n, donc c'est plus bêta n en fait, fois le déterminant de la matrice qui est faite de 7 colonnes et 7 colonnes, donc ça fait 0 fois moins lambda, ça fait 0. Moins 0 fois 0, ça fait 0. Donc tout ça, c'est bon, ça s'annule. Et ensuite,
Moins, là on est rendu sur un plus, 0 fois le déterminant de ça, on s'en fout, de toute façon c'est 0. Donc ces deux lignes-là, elles s'annulent parfaitement. Donc le déterminant de n, c'est ça. Au passage, on n'a pas besoin de ça du coup, puisque c'est là, parfait. Là, notre réflexe, ça pourrait être de dire, ah, on va tout développer, et puis on va regrouper les termes en lambda d'un côté, les termes par lambda de l'autre. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de ne pas avoir un truc avec lambda au cube. Et là, la solution la plus simple, en fait, c'est de se dire, on va réorganiser notre terme, on a moins lambda, fois moins lambda, fois bêta n moins gamma moins lambda. On multiplie trois trucs et rappelez-vous qu'on veut les racines. Les racines, c'est lambda égale à 0. Lambda égale à 0, quand on a un truc qu'on multiplie, ben, est-ce que ça, la racine numéro 1, ça va être, elle va être donnée par moins lambda est égale à 0. La racine numéro 2, elle va être donnée par moins lambda est égal à 0. Au passage, les racines du polynôme caractéristique, c'est les valeurs propres de notre matrice. Et la valeur de lambda 3, donc la troisième valeur propre, ça va être la solution de bêta n moins gamma moins lambda égale 0. Ça, du coup, c'est facile à résoudre, puisque ce qu'on peut écrire, c'est que lambda 3, c'est égal à bêta n moins gamma. Là, on est arrivé à quelque chose qui nous plaît. Pourquoi on est arrivé à quelque chose qui nous plaît? Parce que ça, on peut travailler avec, et puis on est déjà en train de se dire, hey, c'est les mêmes termes qu'il y avait dans le R0, il va se passer quelque chose d'incroyable. Et oui, c'est vrai, c'est ça qui va se passer. Bon, on n'est pas en train de parler de R0, on est en train d'essayer de faire une analyse de stabilité. Pour qu'un système soit stable, il faut que ses valeurs propres soient négatives, que la partie réelle de ses valeurs propres elle soit négative. En tout cas, qu'elle ne soit pas positive. Donc là, la première, c'est 0, la deuxième, c'est 0. C'est pas positif, ça va. Qu'est-ce qu'on veut pour que le système il soit instable? Pour que le système il soit instable, on veut que ça, ce soit positif. Si on a deux valeurs propres qui sont nulles, et puis une troisième qui est positive, notre système il est instable. De toute façon, si on a une valeur propre qui est positive, notre système il sera instable. Donc allons-y avec ça. C'est-à-dire que ce qu'on va devoir résoudre pour avoir un système qui est instable, c'est bêta n moins gamma qui doit être positif. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, parce que c'est le critère d'invasion, rappelez-vous. C'est-à-dire que bêta n est supérieur à gamma, et c'est-à-dire que bêta n divisé par gamma est supérieur à 1. On vient de trouver le R0 pour la troisième fois consécutive. C'est quand même pas mal, parce qu'en fait, on a trois façons de le faire, et ces trois façons, elles viennent soit d'une réflexion sur le processus, soit d'une réflexion sur l'invisibilité, soit d'une réflexion sur la stabilité. Au final, de toute façon, on arrive au même résultat. Dans ce modèle-là, si bêta n divisé par gamma est supérieur à 1, on va avoir le déclenchement d'une épidémie. Je trouve ça super joli comme façon d'arriver au même résultat. Si on avait un autre modèle, on aurait eu une autre réponse. Okay, c'est vraiment important. La définition ici, l'équation du R0 qu'on a écrit, on va la mettre maintenant. On est à peu près sûr de notre coup, c'est n bêta sur gamma. Si on avait eu un autre modèle, on aurait une autre équation. Okay? Donc il y a une relation qui est indissociable entre ce modèle et puis la valeur du R0 qu'on estime.
Selon le temps qui nous reste, on essaiera de mettre un modèle avec de la virulence dedans pour voir comment est-ce que ça change notre définition du R0. De manière générale, quand on travaille sur la matrice jacobienne évaluée à l'équilibre en l'absence de la maladie, donc J évaluée au DFE, le R0 il est donné par l'expression de ce qu'on appelle la leading eigenvalue, donc la valeur propre la plus grande. Et là, on peut vérifier que c'est le cas aussi. Les deux valeurs propres, lambda 1, lambda 2, elles sont égales à 0. En fait, elles sont... normalement, celle qui est... quand on présente les valeurs propres, on les ordonne. On les met dans l'ordre des équations dont elles viennent, en tout cas, peu importe. Mais ces deux valeurs propres, elles ont la même valeur, et cette valeur-là, c'est 0. Donc, pour autant que cette valeur-là soit positive, elle sera nécessairement plus grande que lambda 1 et lambda 2. Okay, donc, on aura toujours lambda 3 supérieur à lambda 1, lambda 2. Et donc, l'expression de la plus grande valeur propre, ça nous donne le R0. 11h30, parfait. Rappelez-vous que une des caractéristiques du R0, c'est d'être quelque chose qu'on peut calculer quand on est confiant dans notre hypothèse qu'on a un seul individu infectieux qui va rentrer dans une population qui est entièrement une population susceptible. Ceci dit, si on regarde une cours du temps et puis on regarde la taille de population, ça c'est S. Ça c'est I. La situation n'est pas la situation n'est pas la même pour un individu qui est infectieux. Imaginez que on va faire comme si on était en cours de biostat et puis on va dessiner des urnes dans lesquelles les gens c'est des petites billes, les individus c'est des petites billes. Et là, vous êtes un individu infectieux qui doit aller tirer au hasard un individu dans sa population. Là, évidemment, les chances que vous preniez un autre individu au hasard dans la population qui soit susceptible, c'est de 1. Quand vous êtes rendu ici, pardon, notre urne dans laquelle on va faire notre tirage aléatoire, quand vous êtes un individu infectieux, elle va avoir exactement le même nombre d'individus qui sont infectieux que le nombre d'individus qui sont susceptibles. Donc si on écrit ça avec une horrible notation, la probabilité d'avoir un contact qui soit susceptible infectieux ici, c'est 1. Tous les contacts vont être comme ça par définition. Ici, c'est 0,5. Ah, c'est marrant, ici c'est 0,5 aussi. On essaiera peut-être de réfléchir à si c'est vraiment le cas. Et puis quand on est rendu là, ben, là le problème c'est pas tellement que toute la population qui nous reste elle est susceptible. C'est qu'il n'y a plus d'individus qui sont infectieux pour aller créer des nouvelles infections. Okay. En fait, dans la pratique, la population qui nous reste ici, elle serait un petit peu susceptible et puis majoritairement immunisée. Je n'ai pas dessiné la courbe pour l'immunisation ici, mais en fait, c'est pas très important. Donc, notre R0, la façon dont on l'a défini, c'est qu'il s'applique là. Mais de dire on est capable de créer bêta fois n divisé par gamma, on va pas dire ça. Imaginons qu'on soit le variant delta de SARS-CoV-2 et qu'on soit capable de créer R0 égale 5,1 nouvelles infections pendant notre période infectieuse par individu dans une population entièrement susceptible. Ben, rendu là, on va avoir une
haute valeur pour laquelle on sait qu'elle est nécessairement inférieure à R0, parce que bah, des individus infectieux, il n'y en a plus. Okay. Quand on va être là, on va aussi avoir une valeur qui est inférieure à R0, parce que des individus susceptibles, il y en a beaucoup moins que des individus qui sont infectieux. Et donc la probabilité qu'on ait un contact qui corresponde à l'hypothèse qu'il y a dans le calcul du R0, ça diminue et ça change au cours du temps. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est que le fait de dire R0 égale à 5 pour 1, par exemple, c'est vrai dans l'hypothèse où la population elle est entièrement susceptible. La population elle n'est pas entièrement susceptible à partir du moment où les premiers individus infectieux commencent à augmenter en abondance, et donc on a besoin d'avoir une autre définition qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Donc cette définition-là, celle qui va remplacer nos points d'interrogation ici et là, c'est ce qu'on va appeler le RN, ou le RT, ou le R effectif. Puis là, ce que ça nous dit vraiment simplement, c'est quel est le nombre effectif de contacts qu'on est capable de faire. Puis rappelez-vous, quand on a défini le R0 la toute première fois, on l'avait défini comme étant la transmissibilité fois N fois gamma moins 1. Okay, donc ça, pardon, c'est notre définition du R0. Ça fait l'hypothèse que S est égal à N. Dans la majorité des cas, une fois qu'on a commencé à avoir notre dynamique épidémique qui s'est enclenchée, la quantité pertinente, la quantité effective d'individus susceptibles avec lesquels on peut rentrer en contact, c'est plus N, c'est N multiplié par la proportion de N qui se trouve être encore susceptible. Donc Rn, c'est égal au R0 qu'on va garder comme variable de départ, okay, multiplié par S sur N. Et donc là, qu'est-ce que ça nous apprend? Bah, plus S va devenir petit, donc plus la partie susceptible de notre population va diminuer en abondance au cours du temps, plus on a des champs, plus le nombre effectif de nouveaux événements de transmission qu'on va avoir dans la population va être négatif. Donc le R0, c'est une constante, c'est une caractéristique d'un pathogène exprimé à l'intérieur d'un modèle. C'est moins vrai quand on le mesure sur des données empiriques, mais là, c'est un cours de modélisation. Donc le R0, c'est une constante qui décrit le comportement d'un modèle. Mais si on va la suivre au cours du temps, la valeur qui est pertinente, c'est R sur N, c'est R de Rn, pardon, et c'est le R0 multiplié par la probabilité simplement de trouver des individus qui soient compatibles avec le fait d'avoir un événement d'infection. Pourquoi on parle de ça? Ben, parce que R0 et Rn, finalement, ils ont la même définition, et c'est le nombre de nouveaux individus infectieux qu'on va créer dans une population. R0, la population est entièrement susceptible. Rn, la population est partiellement susceptible. Donc ce que ça veut dire, c'est que S va jamais dépasser N dans notre modèle. Okay, il n'y a pas de démographie. On ne va pas avoir plus d'individus susceptibles que la constante de mouvement de notre modèle qui est N. Donc Rn va nécessairement être inférieur à R0 tout le temps. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au bout d'un moment, on va se trouver dans une situation où... On va effacer nos urbes, on a fini avec 2 stats 1. On va se trouver dans une situation où Rn va devenir inférieur à 1. Qu'est-ce que ça veut dire, Rn inférieur à 1? Ça veut dire simplement qu'un individu qui est infectieux dans une population qui est caractérisée par S divisé par N, il va créer moins de 1 nouvel individu infectieux. Et là, c'est le moment où, puisqu'on va créer moins de 1 nouvel individu infectieux, le stock d'individus qui est infectieux va diminuer au cours du temps.
Donc, si on faisait juste visualiser Rn ici, mais le moment où là le nombre d'individus infectieux est en croissance, et là le nombre d'individus infectieux il est en décroissance. Et la question qu'on peut se poser là, c'est ok, mais nous ce qu'on aimerait c'est que indépendamment du R0, le Rn il soit en dessous de 1, il soit le plus proche de 1 possible et qu'on l'amène en dessous de 1. Ce serait vachement bien si on avait par exemple une sorte de truc qu'on pourrait s'injecter et ça ferait en sorte qu'une partie de la population soit plus susceptible à la maladie. Et comme ça, le RN, il serait super faible et ça irait mieux. Ça serait vraiment super. Et on a ça, en fait. On a des vaccins, par exemple. Donc, un des points qui est important dans l'étude du R0, c'est que ça nous donne une façon d'aller calculer le seuil d'immunité collective dont on a besoin. Ça nous donne la proportion de la population qui doit être protégée par une couverture vaccinale pour diminuer, pour endiguer l'épidémie. Dans un contexte où le vaccin protège contre la transmission, puisque c'est une discussion qui est extrêmement importante à avoir en ce moment, et pas seulement contre les conséquences de la maladie. Okay? Là, on va faire l'hypothèse qu'on a un programme de vaccination qui protège contre la transmission. Ce qui a été le cas de la majorité des programmes de vaccination, en fait. Vous allez prendre votre vaccin contre la grippe. L'idée, c'est pas d'être moins malade si vous l'avez, l'idée, c'est de ne pas l'avoir. Quand on a la chance d'avoir des vaccins qui fonctionnent comme ça, autant les utiliser. Bon, comment on fait en pratique? Ce qu'on veut manipuler, c'est R sur N. Et si on vaccine personne, si personne n'est protégé par la maladie, ce qu'on peut écrire en fait, c'est que R sur N, c'est égal à R0 fois 1. Okay? Au début, la population, elle est toujours susceptible. Et puis, par contre, si on vaccine de plus en plus, ça en fait c'est égal à R0 fois N sur N. Si on vaccine de plus en plus, indépendamment de ce qui se passe, je vais appeler ça RN, c'est pas tout à fait la même chose. On va appeler ça RV, juste histoire de dire. Plus on vaccine, plus ce qu'on va faire c'est aller diminuer cette partie-là. Et on veut absolument que cette partie-là, elle diminue le plus possible. Parce que si on arrive à faire diminuer ça, on ne va pas agir sur la taille de population. C'est notre paramètre. On ne va pas le bouger. On ne peut pas agir sur le R0, c'est une constante exprimée par le pathogène dans le contexte du modèle. Donc ce qu'on a en fait sur lequel on peut agir, c'est le numérateur ici. Et donc ça, on peut l'écrire par exemple comme étant le R, dans le cas où on commence à protéger une partie de la population, c'est toujours égal au R0. Fois égal, divisé par n, on va faire n fois 1 moins p. Ok, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit qu'on est en train de. On va prendre une partie de notre population et on va en protéger une partie à p. Donc p, c'est quelque chose qui va varier entre 0 et 1. 0, 1, et puis on va avoir une valeur p ici. Sur cette p individus, ceux-là ils ont eu leur piqûre, et ceux-là ils l'ont pas. Ou ceux-là ils ont eu une protection, ils ont développé une immunité d'une autre manière. Puis évidemment, plus on déplace cette valeur vers la droite, plus le terme 1 moins p tend vers 0, et donc plus le R, dans le contexte où on protège une partie de la population, il va aussi tendre vers 0. Okay? C'est vraiment une manipulation de base de notre modèle, mais ce que ça nous permet de faire, c'est que sachant le R0, qu'est-ce qu'on devrait se fixer comme objectif pour p? Donc on va prendre ça et puis on va le simplifier un petit peu. Quand je dis on va le simplifier un petit peu, c'est qu'on va faire ça, voilà, ça va aller plus vite. Et puis donc ce qu'on veut, c'est
Maintenant, on a exprimé notre nombre de contacts, notre nombre de nouveaux cas infectieux effectifs quand on a une population qui est partiellement protégée contre la maladie et protégée avec un taux qui est la valeur de P ici. Et pour que l'épidémie ralentisse, pour qu'elle soit capable de s'établir, il faut que ce soit inférieur à 1. Il faut que, sachant le R0 qu'on a et la valeur de P qu'on a, un individu infectieux fasse moins qu'un nouvel individu infectieux dans sa période, dans la période pendant laquelle cet individu reste infectieux. Et ce que ça nous permet de faire, en fait, c'est d'aller déterminer une valeur qu'on va appeler P étoile, qui est le seuil d'immunité collective. Puis P étoile, c'est défini par le fait que R0 fois 1 moins P étoile est égal à 1. C'est quoi la valeur minimum de P pour laquelle on va être en mesure d'endiguer l'épidémie? Comment on fait ça? On va aller la calculer, c'est R0 moins R0, P étoile est égal à 1. Est-ce qu'on va faire un petit peu de réorganisation ici? On peut, si on veut, et de toute façon, ça va nous arriver au résultat que P étoile est égal à 1 moins 1, moins 1 sur R0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, imaginez qu'on ait R0 ici, puis P étoile ici. Donc, si on a un R0 de 1, et donc notre axe des R0 il va commencer à 1, quelle est la proportion de la population qu'on doit couvrir pour avoir de l'immunité, pour avoir une immunité collective? Ben c'est 1 moins 1 sur 1, donc c'est 0. Okay. Un modèle dans lequel le R0 c'est égal à 1, on n'a pas besoin de protéger, et puis c'est compatible avec tout ce qu'on a vu avant. C'est le critère d'invasion n'est pas satisfait. Le critère d'instabilité locale à l'équilibre sans la maladie n'est pas satisfait. Et donc, ça, c'est logique. Si notre R0, c'est égal à 2, quelle proportion de la population il faut protéger pour empêcher le déclenchement d'une épidémie? 1 moins 1 sur 2. 1 sur 2, ça fait dans les 0,5. Donc là, on a 1 sur 2. OK. Donc là, la forme de la courbe devrait commencer à vous dire quelque chose qui est, ben, il suffit qu'on infecte un individu de plus quand on rentre dans une population qui est entièrement susceptible pour que ça double la quantité de la population qu'on doit protéger. On va faire 1, 2, 3, on va faire 4. 1 sur 4, ça fait 0,25. 25, ça fait 0,75. Etc, etc. 4, 5, 6. En tout cas, et donc, ce qu'on observe, c'est que rapidement, la courbe, elle va aller saturer. Okay, si on a un R0 de 10, le seuil de... Ici, c'est 0,75, au passage. Si on a un R0 de 10, le seuil qu'il faut qu'on ait, donc R0 de 10, c'est 0,9. Okay. Et donc, ça, c'est extrêmement important, parce que ça permet de donner une idée de à quel point le contrôle va être difficile. Okay, si on prenait les chiffres, une estimation du variant Delta de SARS-CoV-2 qui était de 5,1, évidemment il n'y a aucune chance que je divise 1 par 5,1 dans ma tête, mais 1 par 5 je peux faire, ça fait 0,2. Ce que ça nous dit en fait, c'est qu'on a besoin d'aller chercher un 80% de la population qui est insensible à l'infection pour commencer à contrôler. Et c'est vraiment... Je suis toujours assez fasciné par cette série d'étapes mathématiques qu'on vient de faire, parce que, non seulement il y a plusieurs façons de se rendre à la même conclusion, ce qui est assez intéressant, parce que selon
l'interprétation du problème qu'on a, selon la façon dont on regarde le problème, on va finir par parler le même langage, qui est qu'il existe un seuil qui, dans notre cas, est défini par bêta fois n divisé par gamma, et quand ce seuil est supérieur à 1, on va avoir un problème avec la dynamique de cette maladie, et quand ce seuil il est inférieur à 1, a priori ça va. Je dis a priori parce que vraiment, il y a des trucs qui vont se produire quand on va commencer à simuler ces modèles d'une façon différente, qui devraient nous faire réfléchir à ce que ça veut dire un seuil, et pour reprendre notre discussion de mardi, à la certitude qu'on donne dans un résultat aussi. Un résultat qu'on vient de démontrer comme ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce résultat-là, on peut le transformer dans autre chose qui est ben, si on devait protéger une partie de la population, quelle proportion de la population on doit protéger pour que ça ait le plus d'impact? Qu'est-ce qui va être l'effort nécessaire pour nous amener en dessous de. Pour nous amener dans une situation pour laquelle le R effectif va être inférieur à 1? Et il suffit d'une toute petite augmentation du R0 pour que le travail devienne de plus en plus difficile. Donc quand on est rendu à, si on affecte juste 5 personnes, il faut protéger 80% de la population. Si on affecte 10 personnes, c'est 90%. Si on affecte 100 personnes, il n'y a pas de. Les R0 les plus élevés qui soient publiés, de ce que je m'en souviens, c'est de l'ordre de 18. Mais il faut aller vacciner pratiquement toute la population pour réussir à les garder, la population éligible, pour les garder sous contrôle. Donc, c'est à peu près la fin de ce que je voulais couvrir pendant cette séance. Problème de locaux fait qu'on a perdu les 10 minutes que j'aurais utilisé pour voir ce qui se passait si on rajoutait de la démographie dans ce modèle-là. On en reparlera la semaine prochaine, c'est pas très grave. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que toutes les techniques qu'on a vues sur des modèles très simples, comment on fait une analyse de stabilité, comment est-ce qu'on calcule l'invisibilité, c'est quoi la matrice jacobienne, comment est-ce qu'on va chercher les valeurs propres et tout ça, ça a des applications. Malgré tout, on n'est pas uniquement en train d'évoluer dans un monde théorique, on est beaucoup. Mais on est capable de comprendre des choses sur les modèles qui sont plus proches de notre expérience collective du moment. On est capable d'apprendre des choses sur le comportement des systèmes. Puis vous allez voir que si on reprend ce modèle-là, et c'est ce qu'on va faire, on va lui rajouter des éléments dans la séance qui vient pour comprendre ce que c'est que le phénomène d'endémicité, par exemple. Les outils mathématiques qu'on va utiliser vont être à peu près les mêmes. On ne va pas complexifier beaucoup. Dans les lectures que vous aviez à faire pour ce cours, il y avait un chapitre où il y avait par exemple une description, la solution vraiment analytique de la forme des orbites de différents modèles. On ne va pas faire ça, c'est plus pour votre culture personnelle. On pourrait aller se poser la question maintenant de savoir est-ce que ça oscille quand ça s'approche de l'équilibre ou non. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire, qu'on ne va pas faire, mais à partir d'outils qu'on a vus jusque-là, on peut commencer à développer des intuitions sur le modèle. Donc évidemment, maintenant qu'on a confiance en nous, la première chose qu'on va faire à partir de mardi, pendant la séance de programmation, c'est qu'on va prendre exactement ce modèle-là, on va trouver ce que c'est notre R0, on va faire des simulations, on va voir que ça ne marche pas, et on va réfléchir à pourquoi. Donc pour la semaine prochaine, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'installer le package dans Julia qui s'appelle Catalyst. Catalyst fonctionne à peu près de la même manière que Differential Equation. On va l'utiliser pour résoudre des équations différentielles avec une différence extrêmement importante. C'est on va commencer à réfléchir à l'importance de la stochasticité et puis à la différence entre les modèles analytiques et puis les simulations informatiques en termes de quelle est la gamme des solutions qui peuvent se produire. Est-ce qu'il se produit toujours la même chose d'un point de vue qualitatif ou quantitatif? Quelle technique on devrait utiliser, comment est-ce qu'on peut programmer ce genre de choses. Donc on va vraiment rentrer dans une confrontation entre le monde idéal abstrait des mathématiques et puis le monde tout aussi idéal et tout aussi abstrait des simulations stochastiques. Donc on se voit à mardi à 10h30. Bonne fin de semaine.